Vendredi 20 septembre 2024, improvisation. Qu'est-ce qui est vert et qui a une tige ? Ah, ambiance, ça fait peur, ça fait des émotions, et il y a des effets, au moins il y a des effets. Alors pour les effets, je vais mettre 6. Le début est sympa parce que ça passe de quelque chose de complètement abstrait à quelque chose qui ressemble plus à une mélodie de façon brutale. Et après ça revient à de l'abstrait, ça revient un petit peu à de la mélodie. Malgré tout, j'ai trouvé que les deux passages manquaient de profondeur et d'intérêt. Autant dans l'abstrait que dans la mélodie. Alors après, je me disais, oui, mais ça dépend à quel moment tu l'écoutes, ça dépend, ça veut pas dire grand-chose. Des moments, tu vas pouvoir te dire, ah ouais, c'est chouette, comme ça, en fond musical. Beaucoup de fois, les impros, c'est bien pour le fond musical, plus que pour l'écoute attentive. Alors, qu'est-ce qu'on note ? On note le résultat final, on note l'intérêt qu'on a à écouter, on note l'originalité de la performance, je sais pas, quoi d'autre encore, la beauté de la vidéo, ça va rien dire, une note. Alors, moi je vais en mettre une quand même, parce que j'aime bien les trucs qui veulent rien dire, comme cette énigme étrange, dont la solution n'est pas une plante verte. Mais je dis pas ce que c'est. Alors bon, revenons à l'essentiel, la note. Et je vais mettre quand même 7. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. C'est une impro assez théâtrale. J'ai trouvé ça plutôt amusant. Tu commences par une devinette à laquelle j'ai pas trouvé de solution. Ce qui me gêne un petit peu, malheureusement. Mais ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est les effets que je trouve vraiment étonnants. Et puis les nuances ont provoqué une petite émotion chez moi. La mélodie est plutôt cool. Je te trouve assez dure avec ton 6. Parce que l'ensemble est fluide, cohérent. Donc je vais mettre 8.